Et quelle heure? Il y a déjà 21h, 22h, pardon, quasiment. Allô. 7 secondaires. Trouver la clé du laboratoire souterrain. Ou forteresse d'Hermès. La forteresse n'est autre que le bastion militaire d'Hermès où deux légions sont stationnées. La première, les chevaliers du pur sang, est en charge de la sécurité du royaume. La seconde, la garde royale, est responsable de la sécurité de la capitale royale. On va continuer l'histoire. Cherchez les noyaux. On est de retour de forteresse à la forteresse d'Hermès, donc la forteresse d'Hermès qui était la zone d'introduction. Bon, la question c'est est-ce que c'est avant, est-ce que c'est après? Bon, et si on se souvient. Je vais rebasculer sur mes doubles lames par contre. Voilà. Beaucoup l'environnement de certains Dark Souls. J'arrive, l'archer, j'arrive, t'inquiète. Parce que ça, c'est une porte raccourcie. Et du sommeil repart. Il y a vraiment une échelle qu'on peut faire descendre. Ah, mais par contre, l'archer il snipe de loin là. Hein. Ah, j'allais descendre, enfoiré. Légèrement plus résistant, bien légèrement. Un coup de plus pour. Massacrer. Raté.
Et... six morts, hein. On a déjà 10 morts de plus cette session. Là oui, par contre, en fait, t'es obligé de descendre. Hop là. Qu'on n'a pas eu de bol parce qu'en fait l'archer il peut toujours te viser. Je vais me décaler un peu. Ouais, mais lui il viendra pas en fait. Il n'y a pas de raison de venir au corps à corps lui. Prends toi, ouais, tu peux me suivre. Peut-être ? Non. Ah bah y'a un truc pour sauvegarder là, dis donc. On va se reposer. Consommable. Ah mais oui, du coup les consommables, j'en ai plein encore. Si je fais inventaire là, combien j'en ai? J'en ai 40. J'en ai 40, je les utilise pas. Ouais, un niveau de plus. Ah non, j'ai même pas assez. Ah mince. Ah oui, là ça commence à causer là. Attends, par contre, on m'a fait descendre pour au final. D'accord. Ouais, bon, en fait. C'est juste un cul-de-sac ici. Et donc, se diriger vers l'archer qui nous casse les... Intéressant aussi. Ah bah déjà toi. Ça c'est fait, là on a le raccourci. Voilà. Ramasser là-bas. Prendre le temps de visiter parce que là. Mais je reviens là, oh, putain, mais oui, mais... Ah
le tuer là, j'étais mort. Il fait 70 de dégâts, j'avais 69 PV. Et la chair fragment. Note sur la vie d'Hermès, la forteresse. La forteresse est composée de plusieurs quartiers, qui sont séparés par de multiples couches de remparts. La couche la plus à l'extérieur du château sert à repousser l'ennemi. À l'intérieur se trouve une zone résidentielle pour le grand public. La zone résidentielle et la forteresse intérieure sont reliées par la place du châtiment que l'on utilise pour exécuter ceux qui enfreignent la loi et en faire des exemples. Et combien que ça va être notre objectif final ? Là on a le raccourci, là on peut pas retourner, donc c'est par là. Oh. Un fragment pour l'épée longue, c'est cool ça. C'est celui qu'on avait réussi à faire bugger dans le niveau 2. Aïe. Des stocks là qui fait mal. Sacré portée loup. Les sommets du rempart, ouais. Okay. Ah bah oui, la porte en dessous, ouais, tout simplement. Chemin, un truc qui monte, un truc qui descend, d'abord ce qui descend, voir une grille qu'on peut pas ouvrir, très bien. Courci qui sera créé, je pense, tout à l'heure. Là, si on tombe, on meurt, c'est ça? Ça a l'air d'être ça, hein. On va pas trop tenter. Pas d'archer de merde, non. Pas un petit truc à péter sur un mur ou autre. Ouais, bon bah pour l'instant on suit la route hein. Carnet d'un agent public. Depuis mes débuts dans l'administration, je n'avais jamais vu notre capitaine aussi inquiète. Je suis kurde, je sais kurde. En tant que capitaine de la garde royale et future reine, doit porter un fardeau difficilement concevable. Ces derniers temps, le nombre d'infectés et de monstres n'a cessé d'augmenter. Mais les célébrations pour l'anniversaire du roi doivent continuer comme prévu. Si l'on ajoute à ça ce qui s'est passé à la mer des frénétiques, ce n'est pas étonnant que notre capitaine soit aussi stressé. Donc, Kurde, ce sera potentiellement notre adversaire ? Je pars du principe qu'à chaque fois le jeu nous donne un nom, c'est quelqu'un qu'on va croiser. Hein, donc, ouais, jusqu'à présent, ça a été le cas.
Un mec bouclier, ça faisait longtemps. Peut-être me donner un fragment d'ailleurs, ça fait longtemps. Eh ben non. On ne mérite pas, visiblement. Ouais, il y a un ennemi là-bas, mais il n'y a pas un raccourci à ouvrir ici. Voire mieux d'ailleurs. Mieux qu'un raccourci. Si, clair. Il vous faut la clé de la voie de la cathédrale. Regarde les entourloupes. Hein. Ben dis-moi, il y a un petit truc pour sauvegarder là, ce serait bien. Émeraude. Ah bah j'en ai des trucs pour toi là. Il se trouve, Émeraude, c'est un putain de boss caché. Je vois pas son visage en plus. Alors. Oh mais j'ai plein de trucs à lui donner donc. Le noyau, noyau fusionné de la reine. Le sang pur et le vil sang semblent être des opposés. Mais si on met de côté cette vision globale, ce ne sont rien de plus que des matériaux différents. Un vrai chercheur est capable de voir au-delà de la surface d'un objet et de percevoir sa vraie nature. Carnet de recherche. C'est la recherche que le roi m'a demandé de mener. L'objectif est d'accélérer la dissémination de la bénédiction du sang pur. Étant donné que cette recherche est confidentielle, seuls Aizumi et moi connaissons les détails et la technologie impliquée. La réponse d'Hermès est complète. Les effets seront déterminés par la formule placée à l'intérieur. Nous étudions encore la formule, car nous souhaitons nous assurer qu'aucun effet irréversible ne se produise. Rapport de l'expérience de transformation 2. Après avoir découvert que les arbres géants pouvaient absorber la peste, nos recherches ont pris une nouvelle direction. Mais peu importe le nombre de tests effectués, le corps humain rejetait les objets étrangers inanimes. Inanimés. Dans certains cas, les taux des anticorps furent même produits. Nous avons commencé à mener des expériences sur des animaux. Les résultats étaient fantastiques. De nombreux animaux ont vu leur résistance à la peste augmenter. Je me suis demandé, pourquoi ne pas prendre un mélange de cellules de ces arbres sacrés et des animaux afin de les implanter dans un corps humain? Et noyau du dieu frénétique. Magnifique. Véritable chef-d'œuvre. C'est une technologie si complexe. Dire qu'Odur a utilisé ça sur une structure aussi énorme. Quel dommage que vous l'ayez détruite. Je meurs simplement d'envie de savoir comment Odur a pu faire bouger un corps sans vie comme ça. Bah écoute, je vais encore l'affronter une deuxième fois, donc... Peut-être que tu auras des éléments de réponse en plus. Totalement au pif, enfin, je l'aurais pas vu, j'ai juste appuyé sur le joystick. Pas bien idée là. Un petit fragment pour la hallebarde, bah, je pense que la hallebarde on va pouvoir l'avoir au max. Hein. Alors il y a un escalier qui descend. Un escalier, une échelle qui descend et une autre qui monte. Je sais pas. On a bien fait. Tournoi de souvenirs, c'est toujours ça. Merde, je suis où là? Attends quoi? Ouais ouais. Quoi cette merde? Ah bien, il y a un truc de sauvegarde, nickel.
Nous allons pouvoir monter de niveau, ça c'est cool. Déverrouiller un talent en plus. Peut-être le sabre, hein. On va peut-être... Alors augmente la quantité d'énergie restaurant par avoir exécuté. Ouais. Mettre arme exaltée, vas-y. Ça va peut-être aider. Je peux augmenter l'albarde. Niveau max pour l'albarde aussi. Ça c'est bon. Et attention, je pense que j'ai débloqué un succès, le fait d'avoir amélioré ma potion au niveau max. Oui, succès déverrouillé, alchimiste. Ouais, alors attendez. Attendez, attendez, parce que là... Ça fait beaucoup de choses, là. Déjà, j'ai pas le lien, je sais pas... Comment je peux arriver là? Ou alors c'était l'échelle qui descendait? Attendez. Faut que je vérifie. Je vérifie que j'ai rien oublié. Est-ce que c'était ça? Oh non, ça déjà on n'a pas fait non plus. Sako. Histoire de potions populaires. Mélanger une variété d'ingrédients médicinaux très stimulants qui provoquent de la transpiration, comme de l'ail, du basilic, du poivre noir, de la cannelle, de la menthe, pour créer une potion qui réchauffe le corps. Ça monte encore. Hein. C'est pas là que j'ai dit, ah bah attends, il y a une échelle qui descend, une autre qui monte. Je reconnais pas. Là, je me suis un petit peu perdu là sur les murailles. C'était peut-être par là, ouais. Je crois que c'est la première fois qu'on récupère l'arc, non? Ouais, non mais là c'est vaste comme terrain de jeu là. J'ai pas fait tout ça moi. Si. Ah bah si, le point de sauvegarde est là. Ok, donc ça ramène là. Ok. Ça, on a ouvert la porte. Pouf. C'est par ici. Ça ramène au début, d'accord. Pas ouvrir ça? Non. Donc la suite, c'est là. Logiquement. Ça, on n'a pas exploré encore. Oh, double lame. Oh, mon ami.
là j'enchaîne. Non. Ah, attendez, parce qu'on a une échelle, mais on a un truc ici aussi. Bon, ça doit être juste une map. Cérémonie de sélection des troupes. L'événement se déroulera sur la place de la forteresse. Seuls les jeunes sujets non infectés seront acceptés. Le processus d'injection sera réalisé par un chercheur désigné par la serre. Ceux qui ressentiront une gêne durant le processus d'injection seront ramenés à la serre par les chercheurs pour subir un examen approfondi et recevoir le traitement approprié. Après l'injection, les gardes du roi... Les gardes royaux et les chevaliers du sang pur procéderont à leur sélection selon la procédure habituelle. Ok, le stade où on arrive là. Ah mais si, c'est la muraille, oui, ok. Attends, je suis déjà venu là. Sauf que cette fois-ci, on a la clé. Je suis en train de tourner en rond par contre. Attends. On va se reposer. On va améliorer les lames. Le truc de la cathédrale, mais pourquoi il y avait une porte qu'on pouvait pas ouvrir sans ça? Attends. Là, on revient au début en fait. Là est ouvert. Bah non, logiquement c'est par là. Il doit y avoir une échelle que j'ai zappée. Tac, ok. De sauvegarde, il est ici. On a ouvert la porte. Tout en haut de la forteresse. Là, on va revenir où il y a l'archer et tout, donc...
Ouais. Il y a une échelle juste là. Hein. Et j'ai peut-être déjà fait. Non. Si, non. Non, bon, déjà il y a l'objet à récupérer. Donc ça, non, j'ai pas fait. Toujours plus haut. Bah, ça doit être ça qu'on n'a pas fait. Ouais, on n'est pas venu là. C'est bon, on a la suite. Journal d'un chevalier inconnu. Représenter le royaume sur un champ de bataille est le plus grand déshonneur. Le fait que le royaume d'Hermès puisse tenir bon durant une épidémie et même envoyer de l'aide au royaume voisin est la plus grande preuve de sa force et de son pouvoir. Attends, tout ça pour ça? Quoi ce délire là? Ok, on revient là, mais alors faut que je descende. Qu'est-ce que j'ai zappé? Que j'ai... Ben non, on revient là. Ah, la boucle, attends. C'est quoi l'entourloupe? Là, si on descend, non. Attaque. Toi, tu vas là, mais t'as rien. On est d'accord. Quoi? T'as là et t'as l'échelle. Retournez voir si j'ai pas zappé un truc, mais. Donc c'était quand même le bout, quoi. Rien à faire avec le feu qui est là. Regardez la note. Un mur à péter, non. Non, on a fini la tour, mais. Ouais, c'est pas. Oh, attendez. Ah, donc là, je pense qu'on a fait le tour ici. On va redescendre, c'est pas grave, on va faire tout dans le sens inverse. Non, j'ai dit de la merde en fait. J'ai complètement dit de la merde. Attends. J'ai dit que c'était le même côté. Bah oui, parce que là il y a encore le gars en embuscade. Par contre, faut peut-être que j'arrive à aller en face.
Bah non, parce que là on va monter, mais non, 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 tout. Là, il y a l'archer. Corvus ne saute pas. Donc... Ah, je retourne sur mes pas là. Alors il y avait une porte au tout début qui était fermée par ferme à clé. Ah, oh, j'ai presque plus d'eau déjà. De ce côté-là. De ce côté-là. Est-ce que... Oh, un arc. On a eu un fragment enfin pour l'arc. Refaire toute la zone, mais je me suis perdu. En revenant là. Bah c'était là le raccourci. Ah mais oui, on n'est pas allé de ce côté. La mémoire. On a pas fait les jardins. Pour l'albarde, mais on est déjà full. Les ennemis sont très faibles. Tenez, il y en ait autant dans cet endroit. Ouais, il y a la porte. Les ennemis sont faibles. Journal d'une mère de chevalier. À chaque fois qu'il rentre d'une expédition, il rapporte un souvenir. La plupart des gens rapportent des pierres ou des feuilles, mais lui ramasse des flèches cassées et des boucliers craquelés du champ de bataille. Un jour, il m'a confié que si les cadavres n'étaient pas tous incinérés, il couperait une partie du corps d'un monstre pour le rapporter à la maison. Y a plus la musique. Y a plus la musique. On a l'arc, ça y est, on a l'arc, c'est bon. Il n'y a plus la musique. Oh! Cette personne m'est familière. Très bien.
Bah écoute, j'ai une revanche à prendre sur toi. Alors, en vrai, est-ce que j'ai pas moyen d'avoir un niveau en plus? Parce que le monsieur il tapait fort, lui. Peut-être augmenter la vitalité. Ouais, on va faire ça. Et un point de talent en plus. Peut-être essayer d'augmenter la griffe. Pas trop à ce stade-là. Bon! Ça devait arriver de toute façon, hein. Je vais rester m'attendre là, c'est sympa, dis donc. Comment on va chier? Barg. Oh le bougre! Il tape très fort. L'abonnement. Attendez, je suis concentré. Je crois que qui c'était. Little Cat, merci beaucoup pour l'abonnement. Bienvenue. Oh, bienvenue. Ah. Écoute, parce que je sais pas s'il est encore en live, mais. Je suis bonsoir, je peux passer tout à l'heure. Enchanté. En tout cas. Allez, première phase peut-être. J'ai lâché trop tôt. Allez, première barre de vie. Ok, bon, sa première phase est pas compliquée, c'est juste qu'il tape fort. Merde. Ça peut être la même là. Et merde, et merde, et merde. Non. Arrête ton axe. C'est le premier essai. En sens, c'est pas trop mal. Je regarde les messages juste après ou alors. Merde, merde. Non, casse-toi, 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 casse-toi. Et merde. Et bien de même, je lui avais demandé s'il n'avait pas un petit streamer à me conseiller pour claquer un abo. Et mon dévolu s'est posé sur. Bah écoute, merci beaucoup. C'est toujours plaisir. N'hésite pas à utiliser les émotes qui sont à disposition. Et du coup, je dois rajouter une mort par contre. Hop là. Bon. Première mort face à lui.
beaucoup plus abordable, je trouve. Et la cam en noir et blanc, c'est un choix artistique ou c'est juste qu'elle a... Non, c'est moi qui ai mis un filtre, c'est pour l'ambiance. En ce moment, je fais des jeux assez, assez sombres. Du coup, si jamais tu veux voir, il y a encore des rediffs qui sont disponibles sur, sur Twitch, mais sinon j'ai une chaîne YouTube où je mets la plupart des rediffusions, enfin du moins en partie. Et les jeux du moment là que je fais sont assez sombres, donc on est dans le thème. Donc pour l'instant je laisse le filtre noir, mais non non après. Non, j'ai pas mis toutes les commandes non plus. Mais du coup, si c'est juste en dessous, j'ai un panneau pour ça. Il y a juste à cliquer, ça t'amène directement. Je passe la cinématique, qu'on a vu ce que c'était. Ok, on est pas mal. En plus, là, ils sortent pour les mêmes attaques. Évidemment, je dis ça, il rajoute un coup. J'apprenne à la fermer. Pour ceux qui arrivent, j'explique. Là, je suis contre un boss. Comme vous pouvez voir, quand je le tape, il a une barre blanche et il y a une barre verte. La barre blanche, en gros, c'est sa résistance. Et là, en fait, sa barre en vert, c'est sa vie. Donc, pour ça, j'ai mes sabres qui servent à baisser sa défense. Et j'ai ma griffe ils appellent ça griffe de prédateur. Qui permet d'enlever sa vie, en fait. Aïe, aïe, aïe. Oh. Pour ceux qui demandent, le jeu est sorti hier, donc c'est Teamesia de la team 17, de la team qui est notamment derrière les jeux Worms, Neon Abyss et d'autres jeux comme Overcooked et The Survivalist, The Escapist aussi. Non, je suis trop près, je suis beaucoup trop près. J'arrive pas à l'esquiver celle-là. Je sais pas comment l'esquiver en fait. La musique est cool par contre. On est pas mal. On est pas mal. Non, elle a bien le trigger sur ses attaques. Faut juste que je reste pas trop au corps à corps. Si jamais ils sont encore dans les attaques ultimes, j'aimerais bien savoir comment l'esquiver en fait. Voilà. Ok. Bon, on a réussi, justement. Aïe. Non. J'ai fait trop tôt. Je fais n'importe quoi là. Bon, les dégâts, je dois pas prendre. J'aime bien quand tu fais ça. Facile à esquiver ça. Non. Soigne-toi. Ça devrait le faire. Je sais pas, mais normalement ça devrait le faire. Merde. Ah non. Oh. J'ai plus de potions par contre. Et merde.
Ça va peut-être pas le faire en fait. Il me touche une fois, je suis mort. Il manque que dalle, il manque que dalle. Non, j'ai esquivé trop tôt. C'est bon, j'ai mis un abonnement maintenant. T'es à 7 subs. 7 subs, 7 subs, 7 subs. Ça, 7 subs. Comment tu vois le nombre de subs, toi? Sur YouTube? Ah non! Ah oui, alors non! Ça, c'est ma chaîne secondaire. T'es pas allé sur la chaîne principale. Il y en a deux. Là, t'as cliqué sur le panneau rouge. C'est sur le panneau bleu en priorité qu'il faut cliquer. Mais bon, c'est vrai que c'était pas forcément précise. Mais merci quand même pour l'autre. Mais l'autre, elle est. Juste pour préciser que l'autre, c'est vraiment chaîne secondaire, c'est quand j'ai des jeux qui n'ont rien à voir avec ce style de jeu, justement, où je me permets, justement, mais non, non, j'ai une autre chaîne principale. Voilà, 400. Du coup, oui, on a dépassé les 400 aujourd'hui, en plus. Je dois rajouter une mort, par contre. Merci en tout cas. Et là, si jamais tu t'ennuies, t'as largement de quoi faire, il y a énormément de contenu. Et donc là, les jeux du moment, donc il y a Timezia, il y a Exanima aussi que je découvre, qui est un jeu indé, bon, qui est sorti depuis, enfin, qui est en accès anticipé depuis un moment. Et j'attends aussi un jeu qui s'appelle Diophile Chronicle, qui est un jeu de stratégie qui doit sortir normalement fin septembre. Voilà, un peu pour les jeux du moment. Mais... je t'invite à aller voir un peu tout ce qu'il y a dessus. On repart dans le combat. Très bien, je prends un coup dès le début, j'aime pas ça. Là, tu as pu le voir, j'ai pas attaqué quand il avait la barre verte apparente et du coup il s'est soigné. Ça touche, scandaleux. Ah, il a pas du tout les mêmes patterns cette fois. Il rajoute des attaques alors que tout à l'heure il le faisait pas. Ah, tout à l'heure c'était bien, il faisait que deux coups. Bon, on se soigne pas plus, il restera deux potions. J'ai pris beaucoup trop de dégâts sur cette première phase. Ça veut rien dire. J'ai plus de potions déjà. Je pense que je vais, à la prochaine mort, là, je vais changer mes doubles lames et je vais prendre une hache en arme secondaire. Parce qu'en fait, mes doubles lames. Certes, ça fait beaucoup de dégâts, mais bah, sur les boss, ça les stun pas du tout. Et donc, je me fais... Biomutant. Alors, Biomutant, on l'a fait... Du coup, c'était l'année dernière. Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié, dans le sens... Déjà, je m'étais pas overhypé, comme beaucoup, en mode... Oh, ça a l'air génial. Enfin, ça a l'air d'être un jeu de ouf et tout. Il y en a beaucoup qui ont été déçus en mode... Ouais, c'est un petit peu enfantin. Oui, le jeu, globalement, c'est pas un jeu... public, c'est quand même axé plus enfant, enfin dans, en tout cas dans certains certaines scènes qu'il y a dans le jeu, etc., dans certains dialogues. Mais par contre, le jeu, j'ai beaucoup apprécié. Bah, déjà la personnalisation qui est plutôt cool, le fait que parfois tu as des armes que tu peux, parce que les possibilités de fabrication d'armes sont énormes, hein. Tu dois fabriquer tes trucs avec
voilà, des manches à balai, des trucs de ventilo, etc. Donc parfois tu as des armes assez drôles, assez puissantes, donc tu as vraiment possibilité de varier les gameplays. Il y a un côté aussi où rejouabilité dans le sens où tu peux faire un personnage bon ou mauvais. Donc tu as des clans que tu peux aider, que tu peux décider de décimer. Enfin voilà, donc il y a des guerres de clans aussi. Et j'ai beaucoup apprécié l'exploration. On n'est pas sur une map gigantesque, mais par exemple, il y a des jeux qui ont des mondes ouverts. Mais l'exploration, je trouve, n'aura aucun intérêt parce que ça va souvent être des trucs où tu vas faire plein d'allers-retours, où ça va être tu vas passer trois plombs à visiter le truc pour au final une récompense qui n'est pas terrible. Dans Biomutant, t'as quand même des trucs qui peuvent se répéter, mais on te donne envie d'explorer. Et généralement, le fait que tu cherches à explorer va quand même te permettre d'avoir une bonne récompense derrière. Il y a des trucs, après, ça se répète, hein, évidemment, ça va être, je sais pas, faut que tu détruises des espèces de piliers, etc. Mais c'est suffisamment bien amené sur ton chemin, dans ton exploration de base, que ça te donne envie d'aller, tu te dis, ah, bah attends, c'est juste à portée, je vais peut-être aller. Et en fait, quand tu te rends compte, quand tu te déplaces à côté, tu te fais, ah, mais en fait, à côté, il y a un bunker que je peux explorer. Donc, voilà, je trouve que c'était assez bien amené. C'était un monde ouvert, pas trop grand, qui te donne pas envie de mode, enfin, cette sensation de vide. J'ai trouvé que justement ils avaient bien géré ce côté-là. Après, bon, c'est pas non plus le jeu de dingue. Moi, en tout cas, quand j'y ai joué, il y avait encore des petits soucis. Puis en plus, j'ai pas pu le pousser à balle parce que j'ai une config qui a plus de 5 ans maintenant, hein, donc je peux pas non plus malheureusement pousser à balle. Mais non, moi j'ai passé un bon moment dessus. Je l'ai poncé. Je crois qu'il manque un succès, un seul succès, mais c'est parce que le succès était buggé. Faudrait que je retourne sur le jeu vite fait, juste le temps de faire ce succès là. C'est en plus un succès qui est pas compliqué à avoir. Mais non, j'ai bien exploré et j'ai fait le jeu quasiment à 100% avec toutes les fins différentes. Et je me suis amusé à faire des persos bons et mauvais. Non, c'est... En plus maintenant tu dois pouvoir le trouver à pas trop cher. Mais c'est pas non plus le jeu qui va révolutionner le genre quoi. Mais ça reste un... J'ai passé un agréable moment dessus, quoi. J'ai donné un coup en trop. Là, il fait que deux coups, c'est trop bien. Là, il va faire un troisième. On commence à connaître. Ah. Oh, mais oui, il y a un truc que j'ai pas tenté avec lui. Est-ce que je peux lui voler son arme? Yes! Vas-y, fais voir! Ouais, il s'en fout un peu. Mais c'est une arme qu'on peut débloquer. Pas mal là. Faire attention, c'est quasiment les mêmes patterns, mais là son attaque ultime. Je pense qu'il va l'attaquer. Ouais, il va essayer de l'attaquer maintenant. Raté! Encore? Alors, je suis trop resté en face là.
soigner, c'est bon. Non, non, oh, je savais qu'il allait faire un deuxième, un troisième coup. J'y suis allé quand même. Il va faire son attaque ultime. Là, il va la faire. Ok. Faut que je me casse, faut que je me casse. Midlife, il va peut-être retenter sa technique. Non, il enchaîne. J'essaie de comprendre en fait, est-ce que c'est quelque chose qu'il utilise, genre un pourcentage de sa barre de vie, ou c'est vraiment aléatoire? Oh là, je fais esquive parfaite là, très bien. Merde, moi je suis beaucoup trop près, je suis beaucoup trop près. Non, 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 non. Dans le doute, je me soigne parce que, en fait, s'il me l'a refait, je meurs. Je suis concentré, hein. Oh, esquive parfaite. Ah, non, pas là, par contre. Putain, il manque que dalle. Ah, mais là, il enchaîne les combos qu'il faisait pas. Normalement, c'est bon. Et je te vois ton arme. Et s'en fout. Et j'ai plus de potions. Donc là, il va falloir que je gère. Oh putain, j'ai réussi à le stun. Non! J'étais greedy là-dessus. Oh, j'ai été greedy. Allez! Il manque que dalle. Et c'est maintenant! Non! Non, 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 c'est dégueulasse! Non! Non! Ah non, il manquait un coup de griffe, il était mort. Ah, il a lancé son truc au moment où j'allais taper. Non. Bon, c'est bon. On sait qu'il est prenable. Ah. Il m'aurait mis combien de morts, lui? 5 déjà? Ouais, 5. C'est pas le pire. Ah non, j'étais vachement greedy sur la fin. Récupérer mes âmes, oui. Bon, à le faire cette fois. La prochaine, c'est la bonne. On espère. on espère. Donc c'est bien la hache améliorée, parce que la hache on la foule. Ça le stun quand on l'utilise, donc ça c'est pas mal. Ah non. Oula. Allez, on t'autorise 2 potions pour la première phase. Ce serait cool. C'est largement faisable. T'as voulu me feinter, hein?
Oh, je suis dans les timings là. Oh là là. Si vous pouvez faire une... Voilà. Parfait, c'est ce que je voulais. Et première barre de vie, c'est fait. Là, je me casse. En fait, quand je fais des tiges parfaites, j'ai un boost d'attaque temporaire aussi. Une capacité que j'ai débloquée. Alors là, j'hésitais vraiment. Non, j'ai pas le temps de me soigner. Oh non. Oh non. Je pensais qu'il avait fini son combo. Oh non, là c'est l'erreur. On ne devait pas prendre cette mort là. Ah, la morconne. Eh non, je n'aurais pas réussi. J'ai vu trop message chez maintenant, donc. Jouons greedy comme je suis en train de le faire. Pas trop non plus. Là vous voyez, la barre blanche elle est bien diminuée. Mais c'est la barre verte qui compte. Là si je l'attaque pas, il va récupérer sa vie. Enfin sa résistance. Oui putain, non mais il a fait un combo différent, j'aurais dû savoir qu'il allait faire une autre attaque. Oh, j'ai raté. Ah ah, j'ai été plus rapide que toi. Allez. C'est bon, je suis pas à portée. Tu fais pas ton attaque ultime encore? Eh hey, on l'a senti, non? Non, j'ai fait un coup en trop. Ok, on s'est soigné. Je préfère la jouer de sécure, hein. J'ai raison, hein.
Là j'aurais attaqué sinon en fait. T'es porté avec cette attaque. Tu ne peux pas m'atteindre. Alors qu'on débloque les fragments d'épée géante, donc on va pouvoir avoir l'arme, ça c'est cool. Pew. Eh bien. Ouais. Et donc ce boss, a priori, aura une version améliorée. Hein.